Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Partagez, parce que je ne vais pas être longue. Je vais être vraiment très bref. Je ne veux pas être long. Connectez-vous, s'il vous plaît. Partagez. Que j'essaye un peu de parler, s'il vous plaît, parce que j'ai un message à faire passer. Et puis, voilà, on est déjà à 100. Je peux commencer parce que je ne veux pas être très longue. S'il vous plaît, partagez qu'on atteigne 200. Puis je parle parce que je crois que le Satan est un peu fort. Mais le Satan n'a jamais été plus fort que le Seigneur, à ce que je sache. Nous sommes tous les responsables de nos actes. Donc quand on prend une décision, il faut que ça vienne du fond du cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'obliger à faire quoi que ce soit. Donc, s'il vous plaît, connectez-vous. Qu'on atteint au moins 200, je commence à parler. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir. Merci pour les cœurs, merci beaucoup. Merci. Comme j'ai pas envie d'être longue, je veux pas attendre qu'on atteigne 200 comme je disais. Je vais être bref parce que depuis hier, j'ai pas dormi. J'ai mal, j'ai très très mal, très 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 mal. J'ai jamais eu mal comme j'ai eu mal depuis hier, depuis aujourd'hui. Je fais ce direct là pour trois personnes que je tiens à cœur, qui me font très mal au cœur et que j'aime beaucoup, que je respecte. Qui se retrouvent aujourd'hui dans des problèmes à cause de moi. Donc, je vais citer Venus Mamba. Je commence par toi, ma grande sœur. Je t'ai toujours dit, tu es ma grande sœur. C'est vrai, je t'ai connue sur les réseaux sociaux. Mais tu m'as prouvé ton amour. Tu m'as prouvé que je pouvais compter sur toi à n'importe quel moment et à n'importe quelle heure. Tu m'as toujours prouvé que non, quoi que ce soit, quoi qu'il arrive, tu serais toujours avec moi. Et à un moment, tu t'es fâché, tu avais raison. Tu m'as toujours dit non, ma petite sœur, tu as une étoile qui brille.
exploite ça d'une autre façon, pas de la façon que tu veux exploiter là. Tu m'as toujours donné des conseils. Je parle de Venus Mamba, qui a toujours été distraite, m'a toujours soutenue dans l'ombre. Et je ne cesserai de te dire merci pour tout ce que tu as toujours fait pour moi, dans ma vie. Et je te demande encore une fois de plus pardon. Pardon si aujourd'hui tu te retrouves affiché sur les réseaux sociaux. C'est de ma faute, c'est à cause de moi que tout ça arrive. Maintenant, je veux parler de la Fortune, qui est ma petite sœur, ma fille. Parce que la Fortune, c'est une petite sœur à moi. C'est mon enfant. L'enfant n'est pas toujours celle que tu as accouchée. Excusez-moi. L'enfant n'est pas toujours celle que tu as accouchée. C'est ma petite sœur, je l'appelle ma fille. J'ai eu à me confier à toi. Tu as beaucoup de mes confidences que j'ai eu à t'appeler, me confier à toi. Avant de t'avoir même rencontré, que je me confiais déjà à toi. Je t'appelais, je te demandais conseil. Tu me remontais quand j'étais mal. Quand je pleurais, tu me berçais. Même si ce n'était pas physiquement, même si c'était qu'au téléphone, avant qu'on ne se rencontre, que je constate que tu es une petite fille bien. Et ça, je te demande aussi pardon du fait qu'aujourd'hui, tu as abandonné ta famille, tout le monde, pour venir me soutenir. Et si aujourd'hui, tu te retrouves en train de te faire lyncher sur la toile, je te demande pardon du fond du cœur. Je te demande pardon du fond du cœur. Angelina Provo, toi, je ne sais même pas quoi dire. Quand je prononce ton nom, j'ai les larmes aux yeux. Parce que Angelina Provo, je ne sais pas ce que je peux dire de toi. Si c'est le bon Dieu qui t'a envoyé dans ma vie, je ne sais pas. Angelina Provo est venue sur la toile se montrer par rapport à moi. Si aujourd'hui, elle se retrouve en train de se faire lyncher à cause de moi. J'ai trop mal. J'ai mal. Cette femme est venue me soutenir dans les prières. Spirituellement. Cette maman a mis les genoux par terre pour prier pour moi. Et qu'aujourd'hui, elle se retrouve sur les réseaux sociaux qu'on a dû l'insulter. Parce qu'elle est venue me soutenir. J'ai trop mal. J'ai trop mal. Depuis hier, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi. Est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est bien? Une maman qui ne me connaît ni d'Adam ni d'elle, qui ne fait pas partie de ma famille, met ses genoux par terre, qui vient prier pour moi. À cause de moi aujourd'hui, se fait lyncher. À cause de moi aujourd'hui, tous ces gens-là se font insulter. À cause de moi aujourd'hui, tous ces gens-là, tout le monde les insulte n'importe comment. Leur publie, on publie leurs amis, on publie leur famille. Vous trouvez que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je vous ai toujours dit que moi, j'encaisse tout. Faites de moi ce que vous voulez. Parce que les injures, là, vous m'avez traité de sidienne, vous m'avez traité de tous les noms. Ça n'a jamais soigné le sida que j'ai. Ça n'a jamais soigné, ça ne m'a jamais donné le poids. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Quelle méchanceté! Hier, on a mangé ensemble dans le même plat, tous. On s'est soutenus ici. On a combattu certaines personnes ensemble. On est allé voir les orphelins ensemble. Aujourd'hui, vous vous retournez encore contre ces gens-là. Tout ce que je voulais dire, Madame Provo, Venus Mamba, la Fortune, je me mets à genoux, je vous demande pardon. C'est à cause de moi. Si aujourd'hui vous vous retrouvez là, dans cette situation, je vous demande pardon. Pardon du fond du cœur. Je ne sais pas comment faire pour arranger tout ça, mais je vous demande pardon. 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 Vous allez m'excuser. Je n'ai pas envie de me retrouver encore là où j'ai dit que je ne voulais plus être. Je n'ai pas envie de me retrouver encore dans les clashs. Pardon. Je vous demande pardon. Du fond du cœur. Venus, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je vous demande pardon à vous toutes. Pardon du fond du cœur.
Elles n'ont pas mérité ça. Elles n'ont pas mérité ça. Si aujourd'hui elles se retrouvent sur la toile, c'est parce qu'elles sont venues me soutenir. La pauvre maman aujourd'hui se retrouve sur la toile. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Quel mauvais cœur, c'est quelle méchanceté gratuite. Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Quand je vois comment est-ce qu'on publie une maman qui a mis ses genoux par terre pour moi, vous croyez que qu'est-ce que le Seigneur va dire là-dessus? J'ai pas envie de faire les clashs. J'ai dit que je ne suis plus dedans. Et c'est les gens qui m'ont soutenu. Que mes félicitations, c'est bien. Ne fais plus. Même le direct, si. Mais il fallait que je leur demande pardon publiquement. Pour leur montrer que ça me fait trop mal. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi quand j'ai vu ça depuis hier. Qu'est-ce qu'on a, elles ont mis? Est-ce qu'elles ont mérité ça? Donc, faites de moi ce que vous voulez. Traitez-moi comme vous voulez. Épargnez ces gens-là. Ils sont venus sur la toile pour moi, pour me soutenir. Et je demande encore de grâce à tous ceux qui sont venus me soutenir sur la toile. Soutenez-moi pour autre chose, pour mes projets. De grâce, s'il vous plaît. Arrêtez le massacre que vous êtes en train de faire là. Madame Provo, moi je t'appelle pas Madame Provo, je t'appelle Mamoun, ma mère. Vénus Mamba, ma grande sœur. La fortune, ma fille, je vous demande pardon. Parce que si aujourd'hui vous vous retrouvez, vous êtes là, c'est à cause de moi. Et je vous demande pardon. Pardon du fond du cœur. J'ai mon cœur qui saigne à l'intérieur. Vous ne pouvez pas imaginer. Je n'ai pas dormi depuis hier. J'ai des crampes au niveau du ventre. J'ai fini un paquet de cigarettes depuis dans la journée. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon du fond du cœur. Si aujourd'hui vous vous retrouvez sur la toile, parce que vous êtes venu me soutenir, qu'aujourd'hui vous faites lyncher comme vous faites lyncher, ne vous dites pas que je reste indifférente. Je ne reste pas indifférente. Je ne reste pas indifférente. J'ai mal. J'ai mal. J'ai très mal. Et je n'ai pas envie de me retrouver encore. Je n'ai pas envie de me retrouver encore. Aidez-moi. Pardon, je n'ai plus envie de me retrouver en train de clasher. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Les prières que vous faites pour moi, ça m'aide et ça marche. Ça marche. Et vous savez que le Satan est trop fort. Le diable est trop fort. Le diable vient toujours là où il sait que Jésus est en train d'entrer dans cette maison. Jésus est en train de venir visiter ces gens-là. C'est là que le Satan veut venir gâter. N'arrête pas de m'appeler aussi. Donc, je tenais à faire ce direct-là pour dire à Vénus Mamba, tu as ouvert ta porte, je suis entré chez toi. Tu as ouvert ta porte, je suis entré chez toi. Tu m'as ouvert la porte, tu m'as fait à manger, j'ai mangé chez toi. La fortune, tu es ma fille. Ma mamounée, Madame Provo, je vous demande pardon. Pardon du fond du cœur. Parce que si vous étiez sur la toile, pour vous-même, vous ne devez pas avoir tous ces problèmes que vous avez maintenant. Je vous demande pardon. C'est tout ce que je voulais dire. Que je vous demande pardon du fond du cœur. J'ai trop mal, mon cœur saigne.
Mon cœur saigne à l'intérieur, vous ne pouvez pas imaginer. Laissez. Insultez-moi comme vous voulez. Depuis qu'on m'insulte, est-ce que j'ai pris un kilo? Depuis qu'on m'insulte là, est-ce que j'ai pris un kilo? Depuis qu'on m'insulte, est-ce que mon sida que j'ai là, depuis là, ça a guéri? Depuis qu'on m'insulte, est-ce que mes gros yeux ont baissé? Depuis qu'on m'insulte, ça m'empêche de manger. Depuis qu'on m'insulte, ça m'empêche de sortir. Depuis qu'on m'insulte, ça m'empêche de vivre. Insultez-moi, pardon. Insultez-moi. Laissez ces gens-là qui prient pour moi. Ne venez pas avec le Satan nous détruire, pardon. Moi, je vous demande pardon. Pardon. Vous m'avez toujours soutenu. Mais aujourd'hui, vous retournez contre moi. C'est pas grave. C'est pas grave. Je veux me sentir ridicule. Il n'y a pas de problème si je me sens, si je me rabaisse pour les gens que j'aime. C'est pas grave. Je suis prête à me mettre à ramper, même me mettre à genoux, même leur demander pardon. Et je vous demande pardon du fond du cœur. Je vous demande pardon du fond du cœur. Ça vient du fond de mon cœur. J'ai jamais fait ça. Voilà la Bible que je prends. Je jure du fond de mon cœur, Vénus, la fortune, Madame Provost, je vous aime avec un cœur, sans arrière-pensée. Je vous demande pardon sur la Bible. Je vous demande pardon pour tout ce qui a dû se passer à cause de moi. Je vous demande pardon. Et pardon aussi à tous ceux que j'ai eu à offenser. De près ou de loin, je vous demande pardon. Il y a un moment, on est fatigué. Moi, je suis à bout. Je suis fatigué. Et je demande pardon. Vénus, Mamba, je te demande pardon. La fortune, pardon. Maman, mon chérie. Je t'aime beaucoup. Je te demande pardon. Tout ce que vous êtes en train de subir, c'est à cause de moi. Je n'ai même rien à dire. Rien que vous dire pardon, pardon, pardon. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je suis fatiguée. Je suis plus que fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Donc, je vais arrêter le direct. Et à plus tard.